Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode. Nous sommes sur Horizon Zero Dawn, nous en sommes à l'épisode 9, j'espère que vous suivez jusqu'ici. Et l'épisode 8 était totalement incroyable, hein. Les gars, on va pas se mytho. On va pas commencer la vidéo avec des mensonges, vous savez que ça me plaît pas. La vidéo, l'épisode 8 était totalement incroyable, on a fait des découvertes, c'était fou, c'était clairement fou. Et vous avez pas eu de vidéo hier, mais par contre vous avez eu une vidéo avec Miss Big Girl 45, bien évidemment, c'était sur Sniper Clips. Je tiens à vous remercier sincèrement du fond du cœur, non seulement pour le soutien que vous apportez à chaque épisode, bien évidemment. Oh putain, on va faire attention, on va essayer de partir très très vite. Donc comme je disais, je tiens à vous remercier évidemment pour le soutien que vous apportez à chaque épisode d'Horizon, mais aussi pour le soutien que vous avez apporté pour le retour de Sophie. Ça lui a fait extrêmement plaisir, elle a lu tous les commentaires. Franchement, j'ai jamais vu des yeux aussi brillants, tellement elle a kiffé. Elle a vraiment kiffé les retours. Un merci du fond du cœur à vous tous, vous êtes incroyables, ne changez pas surtout. On est donc parti pour une quête. Alors là les gars, c'est une quête de niveau 10, j'ai pas mal de points à m'attribuer, je suis tout à fait d'accord, parce que je vous vois déjà derrière votre écran en train de gueuler, ouais baby boy, t'as plein de points, t'as gagné des points de compétence, donne-les toi. Les gars, pas de panique, on fait cette quête et je m'attribue tous les points de compétence, non sous ça. Et par contre je sais pas trop ce qu'il faut faire, je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il faut faire. Il y a un géant pas loin, on l'avait déjà fait cette quête, donc il a pas bougé, il est toujours en train de faire un peu le tour du ghetto. Et là on doit trouver les braves disparus à la soif du démon. Qui en est sorti vainqueur? Ces machines ont reçu des flèches de braves. Ça a dû être le chaos. Les traces de machines vont vers les ruines. Il y a des empreintes de pas aussi. Ces machines ont reçu des flèches de braves. Ça a dû être le chaos. Ah d'accord, tu te répètes, je savais pas en fait. Ok, très bien, bon. On va suivre les traces. Ah bah attendez, les traces viennent d'où? Ok, les traces, on sait pas d'où elles viennent, mais on sait où elles vont. Donc, c'est parti. On doit aller retrouver des braves, apparemment. Il y a moyen qu'il y ait une petite guerre, soit contre un nouveau clan. Je doute que les machines embarquent des gens et les emmènent loin. Vous entendez? Tu es les dents de scie? Attends, ça dépend combien ils sont, là. Je suis pas trop d'accord. Wow! C'est un dent de scie, ça? Ok. Ils sont beaucoup. Ils sont en train de garder quelque chose là ou pas? Je sais pirater les dents de scie, si je peux m'en approcher. Ah ça pourrait être pas mal. Ah ça pourrait être pas mal, on va essayer de le pirater. On va essayer de le pirater, ça pourrait être genre vraiment ouf. Caché. Je suis réellement caché. Je suis incroyable. Ok, on va le pirater. Il va énormément m'aider. Oh, par contre, c'est loin. Oh, par contre, c'est long. Wow! Ok. Hop! Oh putain. Allez! Oh quoi? Oh ils sont méga chauds. Attends, j'étais tellement pas préparé à ça. Il est mort. Ok il est mort. Il reste plus que lui. Ok je peux lui tirer dessus. Ok est-ce que je peux pas essayer de, tout simplement de le tuer? Et ça recommence. Tu m'as fait peur. Ok. Allez. Oh non. Oh je me suis fait éclater, dommage. Le piratage dure clairement pas assez longtemps. Le piratage dure pas assez longtemps. C'est pour ça que pendant qu'il était dans mon camp, j'ai essayé de l'enculer comme Jaja. Mais bon, les gars, c'est pas grave. C'est pas grave, il s'est retourné. Alors attention, j'ai plus de heal. Il faut savoir qu'un coup de dent de scie, ça me retire 2/3 de ma vie. Cette mission est terrible. Cette mission est terrible. Donc on va aller de ce pas, sans aucun putain de souci.
l'affaire, elle est intéressante, j'aime bien, j'ai bien aimé, je sais pas pour vous. On va le repirater. Ah, c'est dommage, il me manque ça. Ok, j'ai ma petite idée, les gars. J'ai ma petite idée, ne bougez pas. Ok. Ok, on s'est préparé une petite défense. J'ai réussi à repasser dans mes fougères préférées. C'est pas évident, hein. Oh putain, faut attendre qu'il se barre celui-ci. Attendez, j'y pense. Est-ce que je peux pas augmenter... Je crois qu'il y a une compétence piratage, j'avais vu ça. Piratage offensif. Augmenter de 50% la durée pendant laquelle une machine reste sous l'emprise. Eh, c'est pas mal, ça. J'ai 4 points de compétence, autant se les mettre dedans, non? Ah ouais, mais j'aimerais bien bricoleuse, quand même. Oh, c'est terrible, le choix. Quel choix terrible. Ah, 50%, c'est pas négligeable, on prend. Vous savez quoi, on prend. Et on espère que je gagne un point supplémentaire. Ok, on va le pirater. Et on espère gagner un point supplémentaire à la fin de cette petite quête sympatoche. Oh putain. Ok. Donc voilà ce qu'on va faire. Maintenant que ça c'est fait. Ok, maintenant que ça c'est fait, je disais... Pop, 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 pop. Wow. Ok, c'est pas terminé. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. Et on va... Ok, bougez pas. Voilà ce qu'on va faire. Parce que là, il va être fort gênant, celui-ci. Ok. Attends, il peut pas passer par ici. Monsieur. Ok, j'ai réussi à esquiver. C'est pas évident, je suis désolé les gars, je reste fond concentré, focus sur les bons. Sur les bons timings. Putain, c'est chaud. Hop 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 hop. Ok. J'ai plus de munitions et ça c'est terrible. Wop, putain, c'est terrible. Waouh. C'est quoi ça, il me lèche le cul. Oh putain. Ok. C'était terrible, ça. Oh putain, j'arrive à faire des esquives naturelles. Ah, ok, c'est bon. Il est plus dur que les autres, celui-là. Il est clairement plus dur que les autres, j'ai l'impression. Ok, il est pas bien. Il est pas bien. Il peut plus me suivre quasi. Oh, il est pas bien là. Là, il commence à voir flou. Là, c'est la phase où il commence à me parler un petit peu espagnol. Oh là là. Allez, dégage. Quoi? Oh putain, c'est son attaque finale ou quoi? Allez,
Oh la vache! Ah, c'était terrible. On peut sortir. C'était clairement pas évident, les mecs. Ok, ouais, vous pouvez sortir, les gars. Vous pouvez sortir. Je sais pas où vous êtes, là. Ok, on va tout ramasser déjà, les éclats de métal. Donc, les éclats de métal, vous aurez compris, c'est les morceaux d'armure hein, qui se sont tirés en chemin. Ok, un peu de heal. Tiens, lui, il avait du bleu, c'est pas mal. Je prends volontiers. Et il y a un éclat de métal là-haut. Oh, c'était pas évident, hein. C'est... Je comprends pas, le premier... Bon, le premier, j'ai été quand même aidé par, par le mec que j'avais piraté, mais... Ouais. Quand même, pour tuer les dents de scie, attention, hein. Attention, il y a du chemin à faire, les potes, hein. Bon, on va pouvoir se mettre bricoleur, peut-être à la fin de cette mission, qui sait. Yo, frérot, vous êtes où, là? Attends, vous étiez là. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es la paria qui est devenue brave? Mais qu'est-ce que tu fais là? Votre ami Den m'a demandé de vous retrouver. Tu fais quoi, là-haut? Le Dancy a arraché nos besaces. Ma besace. Bref, sans nos armes, on a été obligés de se réfugier ici. Merci d'avoir éliminé ce monstre. On va pouvoir rentrer chez nous. Au fait, tu diras à personne que tu nous as vus ici, hein? Vu qui? Pas ton ami, en tout cas. Besoin d'aide pour descendre? On va se débrouiller. C'est pas pour te vexer, mais... Ce serait mieux qu'on nous voit pas avec toi. Les gens pourraient comprendre. D'accord. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi l'XP, les gars. Il me manque 6000 d'XP. Oh, je doute avoir 6000 d'XP. Quoique... Ah, c'est pas terminé? Retournez voir Den. Bah attends, si, c'est terminé. Je vais retourner le voir avec plaisir. Je crois que j'ai plus de potions, hein. Je crois que j'ai... S'il me reste une potion... Il me reste une grosse potion. Et je vais pouvoir, je pense, me farmer... suffisamment de potions pour pouvoir remplir mon inventaire. Il est où, mon cheval? Je l'ai appelé, il est pas venu. Bah alors, frérot, faut venir. Faut venir plus vite que ça. On est parti. Direction le village, on va voir Den. Ah, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué, je suis manipulé. On va voir Den. J'aimerais réellement 6000 XP, les gars, ça me régalerait. Hein. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que non seulement je suis bloqué toujours au même endroit, c'est terrible, mais qu'en plus, j'ai beau tuer, je gagne quasi pas d'XP. C'est très frustrant. Tiens, on va le rappeler. Bougez pas, il va courir à côté de moi de toute façon, c'est pas un problème. Yes, il est là. Vas-y, viens, frérot. Hop, allez, on est reparti. Donc, comme je vous disais, j'ai beau tuer des machines, on gagne pas beaucoup d'XP, on est vraiment obligé de faire les quêtes. C'est pas mal, ça te force à faire des quêtes. Bon, ça retire un peu le côté full farm, full exploration sans rien faire, mais bon, ouais, pour les vidéos, c'est pas un mal, hein, je trouve. Au moins, il y a du contenu à vous proposer. Et puis les quêtes, c'est pas ça qui manque. En tout cas, pas quand on rentre dans un village. On a eu 4 quêtes, souvenez-vous. C'est par où déjà? C'est par ici. Attends, il me retrouve pas au village là, non? C'est pas. C'est le chemin du village, ça? Ouais, c'est le chemin du village. Impeccable! Bon, Findus! Tu m'attends devant, s'il te plaît. Enfin, Findus 2. Très bien, je t'ai dit, tu m'attends devant. Ça va fâcher les gens du village. S'ils me voient rentrer à d'autres chevals mécaniques, on est pas bien, les gars. On va commencer à voir flou. Donc je vais lui rendre sa quête et puis on va pouvoir continuer la quête principale. Étant donné que la quête principale était de niveau 12 et on est presque de niveau 13, c'est incroyable. Donc c'est parti, frérot. Tu es où? Tu es là? J'arrive, mon pote. J'ai retrouvé tes amis à l'endroit indiqué. Ils te rejoindront bientôt. Oh, merci. Merci. Quel soulagement. Tu ne diras rien à personne, hein? T'inquiète pas. Les matriarches sont en train de chanter l'hymne de rédemption. Vous ne risquez rien. Tu as raison. L'hymne va tous nous purifier. Merci. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon. Très bien. Sécuriser les zones corrompues. On a gagné combien d'XP? 1600 XP, vous êtes sérieux? Vous êtes réellement sérieux, les gars? 1600 XP? C'était hyper chaud et 1600 XP, c'est terrible. Bon, j'aimerais trouver un vendeur. Parce que là, tout le monde parle. Là, les gars, vous me racontez tous votre vie. J'aimerais trouver un... Bah tiens, il est là, le frérot vendeur. On va sauvegarder. Je vais essayer de lui vendre du matos, là. On va voir un petit peu. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, on a rien vendu. On a l'inventaire plein. Attends, me raconte pas ta vie, frère. Commercer. Quelque chose te plaît? Bah, tu vas me dire ça tout de suite. Alors, vendre. Ressources, modifications. Tiens, combien tu rachètes? Ah, ils rachètent, hein, les mecs. Hein, ils rachètent. Ok, des gels. Vous savez quoi? Je pense que je vais vendre ça. J'en ai pas réellement besoin. Je pense que je vais vendre 6% électricité et anti-électricité. Très bizarre. Ok, on va vendre ça. Là, j'en ai deux.
6%. Elle a l'air tellement mieux, elle. On va vendre celui-là. Ok, ça c'est fait. En termes de tenue, qu'est-ce qu'on peut vendre? J'ai cette tenue et j'ai cette tenue. Les deux sont dégueulasses, hein. D'accord, vous l'aurez compris. Les deux ne valent rien. Faut que je me rachète une tenue très bientôt. J'ai tellement de trucs à m'acheter. C'est là où ça va être intéressant. Ces pièces rares récupérées uniquement sur les veilleurs et prisées des marchés. Donc ça, ça se vend, non? Usage, commerce avec les marchands, échangé contre des éclats de métal. On est d'accord. Ça peut que se vendre. Ça peut que se vendre. Et ça, ça peut que se vendre aussi. On va pouvoir s'acheter non seulement une nouvelle tenue, mais tellement d'autres choses. De nouvelles armes et tout. Oh là là, c'est fou. On va pouvoir s'acheter une fronde sans aucun problème. On en a toujours pas. On va pouvoir s'acheter aussi un arc de chasseur. Ça peut être pas mal ça aussi, non? Ça vaut que 500. On va pouvoir s'acheter aussi une tenue, je suppose. Oh là là, il y a des tenues incroyables. Une armure de brave Nora renforcée, c'est bon ça? Ah putain! Ah dur! Dur! J'ai vendu tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir m'acheter une nouvelle arme. Parce que, en fait, ils veulent des cœurs de Testudien. Oh, c'est terrible! Et je peux pas les récupérer. Dur! Attends, on va recommercer, on va voir si je peux les racheter. Si, racheter. Oh, j'ai eu tellement peur. Ok, c'est quoi les gars? Cœur de galopeur, non. Il y a des trucs qui veulent. Bon! On a quand même de l'argent, on a quand même de l'argent, les potes. Merci. On va continuer notre quête principale, n'est-ce pas? Et on va pouvoir s'attribuer des points de compétence pour pouvoir se rapprocher petit à petit de l'aptitude bricoleuse. J'aimerais bien être bricoleur. Pourquoi? Parce que déjà, savoir bricoler, c'est bien, d'accord? Et ensuite, je vais pouvoir utiliser mes modes légendaires et les mettre sur des arcs, des armures, et pouvoir les récupérer quand j'achèterai une arme plus puissante, une armure plus puissante, et ça, ça n'a clairement pas de prix. Bref, on est parti. Je sais pas pourquoi je bégaye, les gars, là, dans cette vidéo. Dans cet épisode 9, je bégaye. On doit nettoyer deux zones. Une à 700 mètres, une à 150 mètres. On va commencer, évidemment, par la première. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Pour l'instant, pas grand-chose. Fabriquer... Ah. L'artisanat. En plus, c'est vrai que... Regardez... Il y a plein de trucs à fabriquer là. Il y a plein de trucs à fabriquer non négligeables. Capacité de stockage. Ah putain, faut que je... Ok. Hop, je prends. J'améliore tout ce que je peux, hein, les gars, parce que là, c'est tendu. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pour se faire les flèches. Et les déplacements. Très bien. Bon! Voilà ce qu'on va faire, messieurs. On est reparti. On va nettoyer une zone. Ça va nous donner pas mal de petits trucs sympas, à mon avis. Tiens, regardez. Faut que j'arrache toutes les machines corrompues. Ok. Donc là, il y a les machines. Ok. Allez. La corruption forme comme un nuage de fumée autour d'elle. C'est vrai, la chasse commence. Ok. C'est moi ou il a appelé? T'as appelé les secours, frérot? T'as réellement appelé les secours, là? Ok, toi, tu vas exploser. Alors là, c'est terrible quand il y a des phases comme ça, parce que là... Waouh! T'as une patate... Oh, Jackie Chan, calme-toi! Ok. On va se mettre bien pour être sûr. Allez hop, ça dégage. Lui par contre, j'ai pas réussi à le mettre en feu du premier coup. Toujours pas. Là je crois que c'est bon. Là je crois qu'on est bon, hein. Oh damn. Allez, ça dégage. Incroyable. Première zone corrompue. Niveau 13. Ça m'a donné combien d'XP tout ça? Alors, on dirait qu'il ronge le métal. C'est peut-être ça qui rend les machines folles. Ça pourrait m'être utile un jour. On se nourrit tellement c'est fou. D'accord. Incroyable mais vrai. Alors,
Les gars, j'ai énormément de choses à découvrir. Ah bah là, attendez, là c'est l'épisode des découvertes. Regardez, regardez tout ce qu'on a eu. On a eu des boîtes rares. D'accord ? Là, tout ça, par exemple, matez ça. Tout prendre. Regardez. C'est incroyable. Des flambées. C'est fou ! Voilà, parce qu'on a plein de caisses en fait. On trouve plein de boîtes à trésors un peu partout. Et ça, c'est dingue. Et c'est pas fini. On va pouvoir, grâce à ça, je pense, non seulement se refaire des flèches à onde de choc, et en plus, pourquoi pas s'améliorer une sacoche dans pas très très longtemps. Il faudrait que je récupère encore. Il faudrait que je récupère encore de quoi me soigner. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Oh, il a du mal à voler. Dégage. D'accord, c'était un oiseau qui ne peut pas voler, apparemment. Il voulait pas prendre son envol. Une dinde. C'était une dinde. Mais une dinde, ça vole, non? Alors, pas très haut, certes. On est bien d'accord, oui. Tu vas pas lever tes yeux hein, en plein milieu de Paris et voir des dindes voler, non. On est bien d'accord, mais quand même, un petit peu, il me semble. Yo, les frérots, ça, je vais pas vous faire chier. On n'est pas là pour ça, les mecs. Oh! Bougez pas. Bougez pas, il y a des points de compétences à s'attribuer. Ça, c'est incroyable. Augmente indéfiniment la durée. Oh, putain, quand même. Ah, quand même. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, il sera rallié à moi définitivement. Et les pièges peuvent être désamorcés, réutilisés, ok. Mais il y a surtout ça, quoi. Bricoleuse, putain. Bricoleuse, ok. Je vais être bricoleur, les gars. Je vais être bricoleur. Donc, dans 3 points d'XP, on va pouvoir s'équiper de notre mode incroyable. Allez, ferme-la. De notre mode incroyable et pouvoir le retirer. D'ailleurs, on peut le faire maintenant. Hein. Je pense que les 3 niveaux... Ah, quoique... C'est pas évident à obtenir. Hein. C'est vraiment pas évident à obtenir. 3 points de compétence. Pratique. Attendez, on est où là? Attendez, on est où là? Bougez pas parce qu'en fait, je fais le show, mais... On va essayer de le pirater. Vous croyez que je peux chevaucher ça? Ah non, c'est pas un cheval, ça. Ça, c'est pas du tout un cheval, hein. On va prendre ça. Ça fait des heals. Ok. On peut tracer. Oh, quel est cet item? C'est quoi, ça? C'est un piège? Ramasser fleurs de métal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une fleur de métal, c'est incroyable! Un fragment de code y est gravé, d'accord. Bon, on emploie la manière forte. Objet rare, impeccable. Bah écoutez, je prends volontiers. Attends, j'ai été cramé d'où là? On n'est pas bien. On est... Oh putain! Il a dévié. Il a dévié au dernier moment! Putain, vous êtes combien? Ok. Mais pourquoi tu donnes des coups comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Aloy, là? T'es fatigué ou quoi? Combien vous étiez, les mecs? Wow! Ok. Impeccable! Bon! C'est bon, on peut être tranquille ou pas, là? En plus, il y a un item un peu bleu clair, là, qui commence à me... Tu vois ce que je veux dire? À me faire saliver les papilles gustatives. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? Ah, je prends un petit noyau. Oh, encore un petit item vert. Oh, vous êtes gourmand, vous êtes friand. Un cœur, je prends... Oh, encore un petit item... Ah non. Voici, c'est un classique. Et en plus, j'ai confondu vert et bleu, my bad, les gars. Ok, on est parti, j'ai toujours pas de galopeur. Pas de site de galopeur à côté. Ah putain, je croyais que c'était dépossédé. Des machines corrompues, pas du tout, pas du tout. Il y a un feu de camp. Où est-il? Où est-il? Il est en face, je l'avais déjà découvert. Ok. Les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes juste à côté des feux de camp? Ok. C'est bon, c'est bon. Ils s'échappent, ils ont peur, pas de soucis. Alors, eux, ils vont être chiants. Hein.
Putain! Leur flash, c'est insupportable! Ok, c'est bon! On peut continuer d'avancer. Alors, je sais pas du tout ce qui m'attend. Ça serait pas mal aussi que j'augmente. J'ai tellement de choses à augmenter, les mecs. Oh là là! Ça sent, va y avoir un épisode mode détente qui va durer une heure, voire deux heures, les mecs. On va se balader, essayer de monter un max d'XP. Attends, j'ai envie de tenter un truc. C'est plus facile de pirater cette corne filante. Mais pour l'attraper... Non, vous chargez, là? Ok, il charge. Wow! Oh, j'étais pas prêt! Oh putain, mais... Attendez, y'a pas de profondeur dans l'eau! Ok les mecs, je rigolais. Oh putain le délire. Oh putain le délire. Ok, ça tombe bien, l'objectif n'était pas par là de toute façon. Donc on va pas y retourner, on va rester tranquille les gars. Ah les gars, faut savoir partir au bon moment. Faut clairement savoir partir au bon moment. 40 flèches, ça fait plaisir par contre, tu vois. D'avoir augmenté mon carquois. C'est quand même une petite régalade. Par contre, faut y aller. Aloy ? Je vais les éviter pour l'instant. Ouais, je veux bien. Aloy. Allez. Alors, ok, bon, on va passer ici, d'accord. Parce que là, elle est un peu relou. Encore des heals, je prends volontiers. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous êtes encore... On est encore après moi, toi? Ok, c'était une nouvelle bête, je crois, qu'on avait vue. Hein. Je l'ai pas encore tuée. J'aimerais bien savoir ce qu'elle donnait comme... comme item. C'est dommage. On retournera, de toute façon, on aura le temps. Là, c'est pas terminé. Oh, un petit renard. On l'arrache. J'étais peut-être pas obligé d'utiliser ce genre de flèche. J'ai été d'accord avec vous, les gars. Je ne peux qu'être d'accord avec vous, d'ailleurs. Occupez-vous de vos affaires. Ok, plus que 100 mètres. Ah. Je crois qu'on les voit. Je vais me faire enculer. Qu'est-ce que c'est? Il y a des endroits corrompus aussi. C'est dingue. Oh putain. Ok, ça a pas l'air grave. Ça a l'air d'être des guetteurs seulement. Je pense. On va save. Ah non. Ah non. Ça c'est pas des guetteurs. Ça c'est pas des guetteurs les gars. Va y avoir... Oh, va y avoir un combat très très rude là. Comment on va faire? Bon. Comment on va faire? Modification. On va faire ça, je pense. Ça me paraît pas mal. Tenue. Ok. On va modifier ça. Et on va lui mettre ça. Plus 41% en déchirure. Les gars, je vois que ça. Hein. Je suis désolé. On va pirater. Allez. Quand je serai bricoleur, on va pouvoir le récupérer. C'est pas le problème. Oh putain de merde. Je flippe d'avance. Les voilà. Flippe. Des veilleurs corrompus. D'avance. Ah putain, ah ça manque de ouf. Wouah. Je rigole les gars. Wouah, vous êtes... Non, c'est trop. Attendez, c'est que des veilleurs, mais pour... Ah oui, c'est que des veilleurs, ça. On va essayer de le pirater. Ouais, c'est des petits caca, ça. Ok, ça va pas être un putain de problème. Ça, c'est pas des petits caca, les gars. Ça, c'est clairement pas des petits caca, les potes. Je m'y connais en petits caca, d'accord. Ok. Bon, ils sont pas difficiles à tuer quand même. Les gars, ça va aussi, oh. Non, bah, les cris de... Hein, d'accord.
Ok. Comment je peux faire pour les arracher? On va essayer comme ça. Ils savent pas où je suis, hein. Incroyable mais vrai. Il arrive à le tuer. Des machines sans que personne le crame. On va peut-être attendre qu'il se casse par contre. Quoi? Yo les gars. Reste tranquille. Vous allez bien? Non, ça va aussi. Oh, l'Amérique. Ouais. Ok. Allez, c'est bon, fin de mission. Et un niveau supplémentaire. La corruption de cette vallée. Et ben voilà. On va aller voir si les Karja me laisseront traverser les montagnes. Niveau 14 atteint, les mecs. Pile poil. Point de compétence et santé supplémentaire. Incroyable, mais vrai. Bon, bah ben on peut tout ramasser. Ça va, eh, c'est pas trop difficile. J'ai trouvé la quête annexe beaucoup plus compliquée que celle-ci. Aussi étonnant soit-il, mais bon, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Et je pense qu'on va sauvegarder et s'arrêter là. On va peut-être retourner au village, on va pas faire les reins. Hein. On n'est pas là pour ça, les mecs. Ok, voilà ce qu'on va faire. On va retourner au village. On va aller parler et leur expliquer que ça y est. On a détruit, enfin, on s'est occupé des deux zones corrompues. Et puis, on va pouvoir passer à la suite dans la prochaine vidéo. Continuer notre histoire principale. Il me reste une quête annexe qu'on va faire avec plaisir. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit de retourner au tout début du jeu, dans la montagne. Parce qu'apparemment, j'ai loupé quelque chose. Fallait aller sur la droite, quelque chose comme ça. Donc, vous savez quoi? Je le fais prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire tout de suite, illico, presto, les mecs. Comment ça se passe dans le ghetto? Histoire que je puisse facilement me retrouver dans l'épisode 10. Ouais, dans l'épisode 10. Vous savez quoi, l'épisode 10, j'ai envie de vous faire un épisode comme ça. Pour célébrer les 10 épisodes, un épisode d'une heure. Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal et ça sera bien évidemment disponible pour vendredi. Ça me paraît assez cool. Un bon planning, ok. On va tout ramasser sur le passage. On va aux 150 mètres et puis on va pouvoir se lâcher là. Oh ouais, putain, par contre, les gars, ça, vous régalez de ouf. Parce que des éclats de métal, j'en avais énormément. Mais ça, on n'en a jamais trop. Hop, impeccable. On est bon? On est bon, messieurs. Ah! Oh là, pourquoi autant de ressources? Attendez, rejoindre la forteresse marquant la frontière Karja. J'aime pas ça, les gars. J'aime pas du tout ça. On va tout ramasser. On est où, là, d'ailleurs? Ah oui, on commence... Ah, on a fait la moitié. Non, bon, on a peut-être pas fait la moitié. On a fait... allez, on a fait deux... Un tiers. Ah ouais. On a fait un tiers de la map. Peut-être pas la moitié. J'étais américain, les mecs. On a fait quand même un bon tiers. La forteresse Karja serait attaquée? Pardon. Pardon. La guerre n'est donc point finie. Un corrupteur. Oh non. Oh non. Il m'a vu. Oh non, c'est chiant. Attends, fillette. Les machines sont dangereuses. Oh non, c'est chiant. Il m'a vu. Il m'a vu ou pas? Je vais se cacher, moi j'en ai rien à foutre. Oh putain! Wow! Impressionnant! Ok, tu te tais. Waouh! Waouh, je prends quoi là? Aïe! Yo frérot! Oh putain, tu déplaces des cailloux comme ça toi? Ok. Allez.
Ok, il me reste un gros. Bougez pas, on va s'en débarrasser. Les gars, pendant les phases de teamfight, vraiment, je ne peux pas parler. Je suis vraiment désolé. Ça nécessite tellement de concentration et d'esquive au dernier moment que c'est clairement pas évident. Le mec avait quand même une touche. Ça va aussi. Waouh! Oh, ça c'est beau ça. Oh, ça tu m'en diras quand. Ok, normalement ça va lui mettre une onde de choc. Pas du tout. Ok, ça va faire péter. Calmement. Son point faible. Oh putain. Oh c'est beau. C'est beau. Ok, maintenant on le met en feu. On va pouvoir repasser à l'arc de type classique. Oh, oh la belle esquive de ma part. Bien joué à toi Mister B-Boy. Putain, ils mettent pas devant la porte, ils s'en battent les couilles. Bande de petits bâtards. Ok, attends, tu vas me faire quoi là? Ah! Ah oui, pardon. Excuse. Putain. Putain. Oh putain. Ok. On y est presque. Allez, ça dégage. C'était pas évident. C'était pas évident là non plus. Mais bon, heureusement il y a l'arc de précision. Ça y est. Ils vont pouvoir en tout cas m'ouvrir la porte. On va tout fouiller les gars. Là on en a besoin plus que jamais hein. Là pour avancer les gars il nous faut du matos. Clairement. Pour pouvoir se refaire nos flèches incroyables. J'arrive ma soeur. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère, je suis là. Oh ouais, vous êtes dans un sale état ici hein. Ok. Bon, mon arc de base, va falloir changer ça très vite. Hey, il est juste ignoble. Bon. Vous allez m'ouvrir la porte, maintenant? Faites ce qu'elle dit. Ouvrez les portes. Et allez prévenir le capitaine Balan. Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest. À Méridian. Ouvrez les portes. Dans le meilleur des cas, la voix des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Bon, bonne chose de faite, les amis. Par contre, malheureusement, ça m'a pas donné beaucoup d'XP. Peut-être qu'ils vont me le donner tout de suite. Ah si, 6000 XP. Attendez, vous me les avez déjà donnés ou vous allez me les donner? Je verrai plus grand chose dans cette neige. Ok, ils sont en train de me les donner. Impeccable. Presque niveau 15. Eh putain, par contre, alors autant il s'est pas passé grand chose dans cet épisode, autant on a pris du galon, les gars. On a pris du galon presque niveau 15, on a commencé niveau 12. C'est impeccable. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi je peux pas sauvegarder? Allez à Méridian. Mais volontiers. Allez, fin de la vidéo, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 10. Ciao, ciao.